me lève une barre au crâne, la veille j'ai festoyé. Trop la flemme, quitte ses fils de, va payer le loyer. Je fais mon mélange, elle croit qu'elle vient, jump, elle vient faire le ménage. Belle comment je parle, elle est qui tu fais des menaces. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lasser. L'équipe, bon bah c'est parti pour la petite vidéo actu du vendredi. Ouais, l'équipe, comme d'hab, c'est des deux secours sur la centre RSO aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence là-dessus tout de suite. Ouais, l'équipe, pour recommencer cette petite vidéo du jeudi, on a SCH qui a annoncé un deuxième Bercy qui se passera mardi 10 décembre 2024. Ça va être une dinguerie. Et en parlant de SCH, il a ajouté 3 morceaux à Autobahn. Il a ajouté King, Dernière Ligne Droite en featuring avec Leilo et Madrimia en featuring avec Morad. Et les 3 sons, ils sont disponibles dans son dernier album qui s'appelle Autobahn. Ensuite, on a JMKS qui a annoncé la sortie de son projet qui va s'appeler Sweet Baby et qui sera disponible le 2 juin. Et dedans, on pourra retrouver Freeze Cordon, Kali, H22, Bense et Esteban en featuring. Et il a publié justement cette cover. Ensuite, il y a également Malo qui a annoncé la sortie de sa première mixtape qui va s'appeler ID et qui sera disponible le 2 juin. Ensuite, il y a un des fils de la députée Nadine Morano qui a été placé en garde à vue après un accident de la route sous l'emprise de cocaïne. Et ben, il y a Rof qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: après le fils de Zemmour, le fils de Nadine Morano, ces donneurs de leçons qui s'érigent en exemple de la société devraient plutôt balayer devant leur porte avant leurs 60 balais. Quelle audace! Je prescris mon son, message à la racaille, avec cure de désintoxication. À vos 3 petits points. Et en gros, ben, il a publié les articles que je vous ai dit, tu vois. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Kamel Ancien qui a réagi à un tweet de Grégory Zawi qui parlait justement d'un Snapchatter qui fait le buzz en ce moment. En gros, c'est un jeune qui est vraiment, qui dit des insultes en vidéo, etc. Voilà, personnellement, c'est pas des snaps que je regarde. Et ben, on peut voir que Grégory Zawi, il a dit: ce qui nous attend, 3 petits points. Hashtag wesh. Et Kamel Ancien, il lui a répondu. Il a dit: c'est de votre faute à tous. Et ils ont partagé cette vidéo. Je vais éviter de la partager parce qu'il y a là les insultes dedans. Et c'est des enfants en plus de ça. Donc ouais, c'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Lacrim qui vient de laisser un message. Et en gros, c'est un extrait d'un son de leur prochain album avec Mister You, l'album en commun, qui va s'appeler 20 ans. On peut voir qu'il a dit: rendez-vous à minuit pour Gogeta. Premier extrait de notre projet 20 ans avec mon frérot Mister You. Et en gros, c'est un son qui est disponible ce soir à minuit. Et c'est le premier extrait de l'album. Ensuite, il y a Damso qui a annoncé qu'il travaille actuellement sur sa première exposition qui aura lieu à Bruxelles. On peut voir qu'il a dit: merci la nation, je vais bosser sur ma première exposition. Ça va me prendre une 20aine de mois. Souhaitez-moi bonne chance. 3 petits points. Et voilà. Et en gros, il va faire ça, son exposition à Bruxelles. Ensuite, en parlant de sortie, comme d'habitude, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et comme tu peux le voir, il y a plusieurs sorties qui sont prévues. Je vous invite à faire un screen et quoi qu'il arrive, je l'ai republié sur Instagram, sur tous mes réseaux. Donc pour les personnes intéressées, je vous invite à venir sur les autres réseaux ainsi que dans la communauté sur YouTube, tu vois. T'as juste à aller sur la page Espace Communauté et je mets justement toutes mes vidéos, publications, etc. Donc voilà, l'équipe. Ensuite, je viens de regarder la suite de Nouvelle École saison 2. Et il y a un dernier épisode, l'épisode final, qui sort la semaine prochaine. Mais là, pour les 4 épisodes, on a pu voir les clashs. Et il y a eu un clash entre Coléo et Selkekra. Et ils sont également clashés sur Twitter. On peut voir que Coléo, il a dit: je crois que j'ai mangé mes fruits. Non, vraiment, Selkekra, un duel au sommet. S'il faut, il y a un feat qui arrive, on sait pas, Et on peut voir que Selkekra, il a dit: par contre, il n'y aura pas de feat. Calme-toi, gros. Et Coléo, il a répondu: Selkekra, t'as pas digéré ton seum encore? Point d'interrogation. Il a mis des smileys morts de rire. Et on peut voir que c'est des personnes justement qui les ont remis sur Twitter, tu vois, avec des messages du côté de Coléo. Il y a plein de personnes qui sont de son côté et d'autres qui sont du côté de Selkekra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Bahraou qui est passé sur le live de Medja. Et dedans, il a laissé un message par rapport à Sosomanes, Lacrim, etc. Et en plus de ça, il a passé un message aux jeunes. Et là, aujourd'hui, il a repassé un message. Et je tenais vraiment à vous le partager parce que le message, il est vraiment intéressant. Regardez. Ouais les frères, je voulais parler d'un petit bail. Souvent les gens, quand ils me croisent, ils me disent: Bahraou, t'es humble, tu parles avec nous. Je leur dis: mais les gars, c'est comme ça. Parce que les gens, tellement notre vécu, il est dur, il est lourd, qu'on a fait des vrais bails. On parle pas de petits trucs. Ouais, je vais récupérer de la selle à 1 dans le 7-7. Non, on parle de prendre l'avion, aller en Amérique, sur le sol américain,
Amérique du Sud ou dans les îles Caraïbes, avec de l'argent, payer, récupérer des ferza, des gens qui peuvent te faire du sale parce que l'argent que tu leur donnes, c'est peut-être 30 ans de salaire dans leur pays, peu importe. T'as capté? Donc là, on parle de vrais trucs. Et les gens, ils sont choqués qu'on a toujours le sourire. C'est comme ça, les hommes. Avoir le sourire, être gentil. Je disais, avoir le sourire, être gentil, n'est pas une faiblesse. Ça, c'est les hommes pour moi. Et je reviens à ça parce que tout à l'heure, il y avait le frérot, le H, qui parlait de ça dans son snap. Vous pouvez le regarder, je vais l'identifier, le frérot. Donc voilà, les gens, ils s'attendent à... T'arrives. Ouais, salut, je m'appelle Bahao. Genre, énervé. Hey, les frères, moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Je connais le respect. Mais le respect, comme je vous ai dit, la gentillesse n'est pas une faiblesse. Viens casser les couilles, là c'est autre chose. Tu vas dire je le reconnais pas. Mais il n'y a pas besoin d'appeler l'autre l'autre, on n'a pas dit tout ça, non. Alhamdoulilah, on est supérieur à personne. Mais s'il y a embrouille, on va pas failloter. Comme disait le poteau 520. Attention à vous les gars. Le respect c'est le plus important. La maille c'est rien, le respect c'est tout. Ghetto Fabulous Gang. Ensuite, hier, on a parlé d'Aya Nakamura, qui est en concert à Lyon. Et en gros, elle a salué Bordeaux au tout début de son concert, tu vois. Et ben là, il y a une vidéo qui est ressortie de ce passage. Puisqu'en gros, hier, on en a parlé, mais il n'y avait pas de vidéo. Et ben là, on m'en a envoyé une en privé. Regardez. Ça va quoi, Bordeaux? Ensuite, il y a Poupette Kenza qui est en train de faire polémique de fou. Puisque, bah, du fait qu'elle affiche sa fille sur Snapchat, elle s'est retrouvée sur des sites, voilà. Et en plus de ça, là, elle l'a filmée en train de chanter une musique avec des paroles à caractère sexuel. En gros, ben, ils décrivent carrément un rapport sexuel. Bref, et il y a des personnes justement qui ont ressorti la vidéo et qui sont pas d'accord avec ça, ce qui est normal. On peut voir que Booba, il a dit. Quand son rêve va s'arrêter à ses psychopathes, le réveil va être extrêmement brutal. C'est carrément atroce ce comportement. Ça va cesser sous peu. Les enfants, c'est sacré. Le karma va s'occuper de ce monstre. 38 points. Hashtag Poupette Kenza. Et c'est le message de Booba par rapport, ben, je vais pas vous la passer pour le respect de l'enfant, mais à cette vidéo, quoi, de Poupette Kenza. Et au passage, en parlant de Booba, il y a également Maïva Guénam qui a réagi à ce qu'il a dit sur son nez. Comme quoi, ben, ça faisait penser à une soudure. Il l'avait clashé par rapport à ça. Puisque c'est vrai qu'il y a un truc qui est bizarre sur son nez. Et ben, elle a réagi et elle s'est expliquée. Et elle a parlé de Booba. Donc, tenez, regardez. C'est censé ne plus l'avoir. Puis j'ai reçu un coup. Du coup, elle s'est rouverte. Et du coup, je dois me refaire opérer. Et je vois sur Twitter et tout, l'autre bouffon, il a riposté parce que je vous ai montré ma cicatrice et tout. Et il y a des gens, ils se moquent de moi et tout. Et franchement, ça me fait trop de la peine parce que c'est vraiment un complexe. Genre, quand je me regarde, j'ai l'impression de voir que ça. Imaginez, j'ai une cicatrice en plein. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Mais quand je pense à tout, la 9-200 j'accélère. Je bombarde, j'aime bien quand ça pousse. Côté une, je mélange, ça mousse. Y'a les petits qui crient quand ça passe. Tu te trompes, je pense qu'on s'amuse. C'est un petit qui fume pas, qui te passe à tabac. Un premier appel, un client qui m'en voue, voyez. Une bobonne prête pour une tournée. J'ai passé la frontière, j'ai vu un combi au tournant. J'enfonce tout dans la cache, s'il trouve je vais tourner. C'est vrai que j'ai faim de cash, mais faut pas trop faire le gourmand. Et Dieu... Du truc. Voilà l'équipe, ça sent très fort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser le coup trop tard. N'hésite pas à mettre un petit bout de pied avec référencement. Si t'en penses dans les commentaires, comme d'hab, si t'as pas une méthode, commentaire, tu mets un truc sur le. C'est juste pour référencement. Ouais, j'ai bugué, mais vas-y. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'intro qui sont prévues. Je vais pas te casser les couilles, comme d'hab, je suis déjà sort pour mieux croire sur une de mes vidéos et une nouvelle exclue. Et comme d'hab, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Enfin bref, peace les gars. Vision flou, chemin dernier gramme.
C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voix se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moins des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des canets. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricanais, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son a capté. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pacifier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquins ont plainté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bibib t'as du talent. Faut percer sans succès, ça j'en fais le serment.